ça fait tout programme nous fait tout à fait spécial. Nous a servi avec un effectif qui réduit. Donc programme yo simplifié. Donc nous demandé non pour nous capable comprendre nous. Donc pour nous capable commencer à programme école sabbat matin, hein, nous allons chanter au numéro 22 qui dit au soleil sur la terre. Qui dit au soleil sur la terre, d'éclaire tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le but est le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu qui verdit le meureau des lèbes. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nos en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. À présent, nous allons gagner une lecture. Nous avons fait dans Somme 24 avec Frère Jean Fougère Chérubin. Oui, Serge et Serge, amis visiteurs partout et ailleurs. Pour moi, ça, nous allons ouvrir Bible dans Somme 24. Nous allons lire ensemble. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant de les combats. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Nous allons mettre nous à genoux pour nous capables de prier. À fermer les yeux pour un coup de prière. Jésus, maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton
prisonniers. Adorable Père, grand Dieu tout-puissant, Papa nous qui dans le ciel, nous vous remercions de ce que vous permettez nous passer une agréable nuit sous protection de la divine. Côté que grand Dieu tout-puissant, nous tenons toute activité, nous. Et côté que nous t'y allons, nous t'avons sorti. Nous t'avons le travail, nous t'avons pris un bus, un train. Et que nous qui t'avons conduit, soit, ou t'avons voyé ange protecteur, t'es arrivé protéger, nous. Côté que l'éternel, nous t'avons entré en bien. Et nous t'avons fait passer une agréable semaine sous protection de la divine, nous. Côté voyé ange protecteur, protéger, nous. Et pour jusqu'à présent, nous t'avons dit gloire à Dieu. Si je ne veux dire, nous vivons, nous là, nous croyons la gloire, l'orange, que vous même seul mérité, côté que l'éternel nous capable de dire merci pour tout ça que vous faites pour nous. Et côté que vous découvrez nous, découvrez la famille nous. Et je ne veux dire, nous là, pour nous capable de dire gloire, l'orange, vous mérité dans l'école sabbat. Et côté que le moment ça, l'éternel nous a demandé, vous va bénir toute l'école sabbat dans le monde entier, spécialement celle à Bethany. Et côté que le moment ça, vous va faire. Que chaque partie qui vous fait dans l'école sabbat et on va permettre que Saint-Esprit va avec nous chaque qui là et nous va passer un agréable moment ensemble et côté que Saint-Esprit va avec nous. On a demandé où va bénir chacun de nous ici présent et côté que l'Éternel moment ça on va faire lui au moment glorieux. Nous va prier tant que dit que nous bon nous mérite mais nous prions au nom de Jésus qui vit de maintenant et pour toujours. Et siècle, amen. Je suis l'argile, toi le portier, rends-moi docile, ton OK, à présent nous censés pral arriver dans moment côté nous pral passer dans leçon école sabbat. Mais comment nous a fait le chef frères et sœurs? N'a ba nous conseil là. Alors nous gain bamba nous annonce nous gain pour aujourd'hui. Après-midi à 3h, nous a bien table ronde sur questionnaire qui était passé à, nous pas de chance faire samedi à parce que tu rempli l'activité. Donc après-midi à 3h, nous a bien table ronde. Donc tout le monde branché pour nous gain table ronde là après-midi à 3h. Ça n'a pas dit nous encore. Sept, nous rassemblons l'église là, tout le monde. S'il vous plaît, parcourir, venez. Donc, nous venons à l'église là, c'est seulement le monde qui a fait une activité qui vient à l'église là. S'il vous plaît, parcourir, venez. Pour le son, matin, nous avons ensemble avec nous, c'est Ancien Sobia, avec moniteur, nous, c'est Frère Denès des Amours qui a présenté le son pour nous matin. Mais juste avant que nous attendions une présentation de le son, nous avons une chance spéciale. Et dans le moment de présentation, pour le monde qui t'a amené à poser des questions, donc, nous avons connecté. N'a pas poser question à travers Zoom. Donc c'est plan ça que nous fait pour nous. Nous live sur YouTube mais n'a pas poser question directement à travers Zoom. Donc nous pas attendre une chance spéciale et après ça nous avons avec nous frère Sobia et frère Denès pour première leçon dans trimestre. Merci beaucoup. Côté nos branchés, nous saluons fraternellement le Seigneur.
La vie pour moi, pas de sens. Chaque jour, qu'on dit, pas de chance. Le matin, crier à souhait. Personne pas vie regarder. Moi, t'es bouqué avec la vie. Même l'homme n'a pas besoin de moi. Moi, t'es fin, quoi, pas de personne. Pourtant, Jésus était là, li pap kite ou sel, l'a toujours bon côté. Le tout moun méprisé, voye ou jete, bon Dieu qui pou leve, li pap kite ou sel, l'a toujours bon côté. Nan mou ke pri pou li, li pap jan blage. La vie pou mwen pap gen sens. Chak jou m kon di m pa gen chans. Mwen le maten, m kriye a swè. Person pa vi regade. Mwen te bouke ak la vi. Même l'homme n'a pas besoin de moi. Moi, t'es fin, quoi, pas de personne. Pourtant, Jésus était là. Li pap kite ou sel. L'a toujours bon côté. Le tout pap kite ou sel. L'a toujours bon côté. Nan mou ke pri pou li, li pap jom lage. Li pap kite ou sel, lap toujou bon kote. Le tout moun meprize ou, voye ou jete. Bon diye gen pou leve ou, li pap kite ou sel. L'ap toujou bon côté nan mou ke pri pou li li pap jom lage nan mou ke pri pou li li pap jom lage nan mou ke pri pou li li pap jom lage. Sœurs et frères, quelques côtés nous branchés, nous saluons fraternellement dans le Seigneur. Comment pile dans nous? Aller d'une manière spéciale.
Dieu en tant que instructeur, professeur, nous voyons Adam et Ève en tant que élève. Salle de classe à lui-même, c'est le jardin d'Éden, la nature. Et à part de professeur, élève là et salle de classe là, bientôt manuel là. Manuel là, que nous avons considéré la nature dans lui-même. Qui sait, bon Dieu, t'a instruit, M. Damio? Nous avons une idée à travers les commentaires de l'autre monde. Mais ce qui est clair pour nous, là nous lisons chapitre 1, 2, 3 de Genèse, bon Dieu, tu es en contact avec eux. Tu es en communication avec eux. Et comment est-ce que ça a fini? Ça n'a pas trop fini bien. Il finit par une autorité qui n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre qui baille et qui n'est pas respecté. Il finit par l'introduction du péché dans le monde. Introduction des sentiments comme la peur, la honte. Il finit par expulsion de Adam et Ève du jardin, de la salle de classe, du jardin d'Éden. Et il ouvert sur des promesses que nous allons étudier plus tard, qui centré sur le plan de la rédemption. Qui ça nous voit dans le chapitre Genèse 1, 2, 3, qui a servi nous de base pour nous développer pour vous. Nous voyons que après avoir péché, Adam et Ève trouvé que Dieu ouvrit. Yo vinn wè que yo pa jan ou te supposé hier, yo essayé pour en faire figuer couvri ko yo qui c'est en pile commentateur de déduit par là que ces premières tentatives les hommes pour sauver tête yo par les œuvres et bon Dieu lui-même qui mettait rad sou yo l'utiliser des peaux d'animaux qui non parenthèse que nous veut qu'a constitué le salut par la foi. C'est en gros le sens ça que nous étudier au cours de la semaine. On va développer au bonon, nous seulement ba au grand thème yo. Jodi an éducation toujours à l'œuvre, ça fait l'habitude de leçon éducation chrétienne. Élève yo, c'est pas d'ailleurs encore, c'est nous-mêmes. Instructeur a toujours été même mon nom, Dieu. Et l'autre instructeur que Adam et Ève t'a choisi tant d'ya, le diable, il est toujours là. Et nous-mêmes, je dis, qui fait face à de multiples tentations. Comment nous avons réagi? Comment nous avons répondu à l'appel de Dieu? C'est tout thème ça, toute question ça, que nous avons développé pour nous au cours du trimestre. M'a passé ma être là-bas, mon frère, mon bien-aimé frère des amours, qui lui-même va entrer plus dans le détail de ça que moi je dis avec nous là. Frère Axel, bon, cap écoutez nous à travers réseau yo et cap écoutez nous à travers Zoom et peut-être cap écoutez nous à travers la ligne. Et nous saluons et nous saluons Frère Sobia. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qui manifeste envers nous. Les permettre nos matins nous venir ensemble pour nous capables réviser le son que nous t'étudions pour ces maintenant sur un nouveau questionnaire qui parle nous de éducation. Et nous disons bon Dieu merci pour ça que nos deux intervenants nous gagnent. Frère Sobia, à travers exposé là, qui aborde le son pour nous, le son que nous avons étudié pour ce maintenant, chaque monde capable de prendre des vues, chaque capable de faire un bagage peut-être différent, à travers questions, à travers la lumière, capable de faire chaque monde capable de sortir avec une conclusion capable d'utiliser pour la vie, si bien pour la vie éternelle. Nous tapons de Frère Sobia avec attention
et qui parle nous de notre petite leçon éducation dans le jardin d'Eden. Que Dieu, si à la fois parent, il y a la foi professeur. Il y a l'école, il y a toujours la pédagogie. Dans la pédagogie, ça, la pédagogie, il y a des choses que les besoins enseignés avec les élèves, soit sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, ça entre dans le cadre de formation que la pédagogie, qui avec la pédagogie qu'elle gagne, il y a un côté sorti, un côté besoin rivière. Et c'est ça que bon Dieu t'a gagné en tête. Dans le jardin d'Eden, côté nous capable dit qui c'est la salle de glace à travers la nature, Adam et Ève et qui pas de péché, il y a des bagages que bon Dieu t'a insu avec yo. Et bagages qui t'est capable utile et parce que bon Dieu t'a gagné un projet de l'avenir, l'avenir de l'éternité pour tout temps pour Adam avec Ève. Mais nous ouais dans première l'école ça, dans instruction ça que bon Dieu t'a bail. Et bon Dieu te baillé des balises. Pas oublier que dans première l'école ça, tu gagné la donne et dans jardin, bon Dieu te montre bagaille qui était capable manger, était capable servir avec yo. Et bagaille qui pas doit toucher, pas doit arriver dans yo, par exemple l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour qui ont touché, yo mangé à péché. Et nous capable dit que quelqu'un qui entre, il y a quelqu'un qui intervient lorsque la femme t'a promené dans le jardin pour poser une question qui n'est autre que Satan. Mais lorsque Satan t'a posé une question à la femme, est-ce que bon Dieu réellement dit? C'est la première question que nous avons. Ça, c'est que, François Obia, non, c'est ça, que tu as une conversation qui a déjà commencé parce que nous, Genèse, commencé à parler. Nous, est-ce que bon Dieu réellement dit ça? Satan te dit. Mais tu as une conversation, par contre, tu as pensé à travers la question ça. Oui, il y a l'autre qui t'est passé. Et bon Dieu, l'autre est direct, très direct, à savoir que nous devons manger de toutes fruits qui sont dans le jardin. Toutes fruits qui sont dans le jardin, nous devons manger la donne. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne pouvons pas manger. Je nous mange. Et absolument ça. Certainement, suivant et certains traducteurs, ce n'est pas tout qui utilise le mot certainement ça, mais il y a quoi dans l'original, le mot certainement est là. Jour nous mangeons, certainement, n'a pas mouru. Donc c'était l'ordre ça. Que Ève répétait le tentateur. Et insinuer, est-ce que bon Dieu t'est réellement dit, hein? Ève répétait l'ordre. On se petit bagage que nous soulignons dans le leçon, hein? Le Ève a répété l'ordre, il n'a pas mis accent sur certainement. Il a quitté certainement. Je crois que ça montrait par là, premier pas, vers ou bien une négligence, ou bien un monde qui n'est pas prêt trop au sérieux, un l'autre qui passait. Et bon, ouais, question, le son semaine, ça, François Bia. Nous tournons toujours étudiants déjà. Mais comment ça vient comprendre à travers le son ça? Il y a une pile question que chaque fois que je viens pour me poser, je m'oblige à faire mes cadres là. Quand je commence à entrer dans si, ça va le déboucher dans un paquet de bagailles. Qui peut-être qui n'est pas bon pour moi-même, qui n'est pas bon pour un pile l'autre monde qui attendait. Mais là, nous regardons là, et dans le premier école ça. Nous, ouais, qui ça, Satan te fait? Il a posé monsieur Damien une question. Ouais, ça dit, ah, pour Dieu qu'on est, ça c'est menti. Ben, oui, ben, on demi-vérité. Il dit qu'on est là, nous mangeons la vie de petit Dieu, et c'est pas mon pas mourir vrai. Mais mon bagage qui vient dans la tête, moi, je pensais que vous comprenez comme ça, tout peut-être que vous corrigez. Moi, comme si Eve te besoin qu'on est au bagage. C'est une curiosité de la part d'Eve. Quand c'est une curiosité, par exemple, on dit, par exemple, pour un petit tout, la caou, ou former petit tout, peut-être s'il parle en fait, c'est un monde qui est toujours à laver pour vous, et tout le monde, ça, ou éducation sociale, spirituelle, intellectuelle, il y a un bagage, on dit, ah, comment ça passe? Comment les petites là? Natal, comment ça passe? Mais ça, qu'est-ce que je veux faire en tant que papa? Vous connaissez
qui mon moi-même mon ligné en tant que serviteur bon Dieu gien bagage qu'on est pas bon pour image moi et mis ça que m'ta le faire sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, mais ça que m'ta vouloir pour société. Mais peut-être gien bagage qui doit pas connait l'a chercher. Peut-être zanmi capable vivre zanmi t'es pas pour lui. C'est comme si là est-ce qu'on pas ouais là Eve te gagnon curiosité on est bon et l'homme est curieux nous devons mettre accent sur lui parce que pas oublier que et nous même je dis nous sujet à même bagaille même tentation d'ailleurs c'est mais de l'autre côté qui lui-même qui toujours a mettre en question ça bon Dieu dit mais ça pour qu'il y attention nous que nous devons pas oublier l'ordre là t'est formel. Par exemple, ou qu'on a bâillé mon idée, ou qu'on a bâillé mon conseil, ou qu'on a bâillé impression de une situation donnée. Mais le ou bâillé l'ordre, si autorité respectée, l'ordre là, monde qui a passé l'ordre là, il doit et mettre lui en application. Et je vais prendre un exemple sur tête moi. Et en tant que superviseur puis superviseur dans travail moyen il y a près de 5 ou 6 monde qui travaille sous contrôle moi parfois mon que la font caisse et pour dire bon et utiliser jugement ou pas quoi que l'état bon si ou fait tel genre si ou fait telle considération donnée mon là il gagne un choix pour attendre pour pas attendre mais là moi analyser yon cas et moi dit mon nan moi ba ou yon direct order moi do spécifiquement fait tel bagay li pa capable faire li doit faire li ka ba après s'il gen union yon gen union relèm nan union et discuter après ou bien attaquer en jugement mais quand à l'ordre lui même la respecter donc c'est le point ça. Nous voulons, pour le peuple, nous-mêmes, je le dis, pour qu'il attire attention nous. Qui ça, bon Dieu, dit formellement, spécifiquement, que nous ne devons pas faire? Et par là, le tentateur a venu avec insinuation, n'a connaît que nous avons autorité, nous avons monde pour nous respecter. Littéralement, que les autres disent, nous, là, que messieurs, dames, ça a été défié l'autorité de Dieu. Vous écoutez la voix du serpent, c'est ça qui fait intuition, vous venez d'entrer là. Vous venez d'entrer parmi vous, qui c'est le péché. Vous avez intuition. Nous avons un groupe nous formé. Dans le groupe ça nous formé, nous avons même tendance, nous avons même devise, nous avons besoin d'aller. Mais intuition lui-même, nous avons même mission ensemble avec nous. Intuition venu là, il devine nous. Et mais qui est c'est le péché qui c'est intuition qui est entré, bon Dieu, tu es par M. Damio Lord. Et vous tendez, vous défiez l'ordre de Dieu. Yo tant de voix ennemi hein yo vinn ap chercher ça qui passait là un tu entre le quand a vinn la mort et là on a de même jodi hein même répétition a fait nous là Dieu en tant que l'autorité suprême il gagne de l'ordre li établi li gon côté li sorti et li sorti avec nous li gon côté besoin arriver avec nous c'est li voulait pour nous capable tenter le tout tendait à travers tout les autorités humaines qu'elle gagnait tout les autorités humaines qu'elle plaçait peut-être qui ça peut-être qui capable diriger l'église premièrement qui est capable dit mon ça ce sont mon bon Dieu ce sont des hommes ou bien des gens bon Dieu placés le bon Dieu pas capable venir sous nous en personne mais à travers la Bible qu'elle plaçait diriger ça pour capable instruire nous aujourd'hui et tu aller là qui c'est le péché. Dans l'école que bon Dieu te gagné hein, li te gon côté le sorti côté le besoin revient ensemble avec nous. Même si vinn gon déviation, le péché entré, l'école là toujours là pour bon Dieu capable instruire nous à travers ses serviteurs pour capable montrer nous qui ça nous doit faire, qui ça ne pas doit faire et comment lorsque nous vivons à moi pas moyen de ces principes, nous rete dans balise yo et mais à travers eux même non seulement n'a vivre heureux sur la terre. Et comme ça tout, nous déjà gain espérance la vie éternelle, même si nous avons mouru aujourd'hui, et nous avons mouru avec espoir ça un jour après ressuscité. Peut-être nous sommes capables de poser une question, frère Sobia, qui est capable de dire, ah,
Et ça qui est passé, Eve, soit dans la communauté chrétienne, ou bien peut-être Eve, tu as mangé fuya pour contre lui, si Adam n'a pas mangé, Adam ne doit pas pécher. Mais comment comprendre la question ça parfois que je pose? Bon, si nous pouvons entrer dans le si, nous pouvons ouvrir une parenthèse que peut-être nous ne pouvons pas fermer. Ok, très bien. Donc, c'est ça qui fait nous rester attachés à ça que nous avons devant nous. Voilà. On l'ordre qui passait et l'ordre n'est pas respecté. Jusqu'à présent, je dis à nous-mêmes qui dans la vie, comme moi, nous d'accord sur lui, et l'école là continue, professeur toujours là. Donc, nous-mêmes, l'ordre, nous placé, nous toujours devant nous. Maintenant, qui est-ce que nous avons choisi et respecté? C'est pour ça qu'on a plus focus. Je me dis merci. Professeur, restez professeur. Parce que c'est très intelligent. Si nous n'avons pas entré dans six chefs et sœurs, nous parlons de boucher sur un van, nous pas qu'à faire. À nous quitter les bagailles aujourd'hui, Adam avec eux fait erreur, nous même le péché entré. À nous-mêmes aujourd'hui, nous perdus. Et de nous perdus l'éducation, mon Dieu lui-même, il était preuve pour nous. Hein? Et bien à travers Jésus-Christ, qui mourit sur la croix pour nous la vie, eh bien nous venons trouver ça qui nous a perdu. Quand nous avons perdu ça, qui c'est l'école là, eh bien nous venons trouver en lui-même n'a la vie éternelle, en nous faire effort nous, pour nous capables de cultiver à travers ça que nous lu, à travers ça que nous tendez par le serviteur de Dieu, et pour nous capables d'appliquer dans notre vie. Même si que lui était perdu, bon Dieu, bon, notre dernière chance, parce que bon Dieu tellement aimé l'homme, frère Sobia. Bon Dieu tellement aimé, non. Nous tellement faux devant Dieu, bon Dieu. Nous péchons, oui, parce que quand tout n'est pas fini. Ou dans toute création, c'est nous-mêmes l'homme qui met toute valeur. Lui, pour l'autre zèle, 4 encore, lui bat pour moi-même avant, ça nous perdu pour nous retrouver encore. C'est ça que fait Josia, moi-même, parce que qui fait foi, non. Lorsque nous avons un monde qui mourit, qui partit, qui est un monde qui est cher pour nous, puisque nous avons. Nous prêtons toujours dans l'application de la parole de Dieu. Et ça que nous, qui perdu à nous retrouver à travers Jésus-Christ, en mettant la foi, en retenant le principe. Oui, c'est le plan de Dieu. Plan bon Dieu, c'est que lui restaurer l'Éden perdu. Plan bon Dieu, c'est restaurer dans nous-mêmes gloire lui qui disparaît. Plan bon Dieu, c'est éliminer péché, intruire, éliminer avec toutes conséquences, toutes pareilles. C'est plein, mon Dieu. Et ça fait, ça n'a dit nous, et n'a pas encouragé nous, conseil que n'a pas nous, rester attaché à mon Dieu. Plein, mon Dieu, qui est dans la tête, lien, l'a réalisé. Pas regarder sous situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde, qui ses conséquences, choix, et pour mes parents, yo. Mais restez attachés à bon Dieu. De sorte que l'œil a restauré toute bagaille, nous a fait partie de lui-même. Nous disons merci avec Père Sobia pour exposer le son. Nous ne connaissons pas que. Merci infiniment avec ancien Sobia et frère Denès Desamont qui présentait le son pour nous matin. Nous arrivons à un moment côté nous capable prendre question. À tout le monde qui branché avec nous qui connecté sur Zoom. Donc c'est là nous capable poser question.
Donc si vous avez une question, c'est là que vous êtes capable de faire, vous êtes capable de poser question. Hein. Vous êtes capable seulement on mute sur Zoom et puis poser question en attendant là. Mais lorsque vous posez question, hein, vous mettez fermé, tant de réponses qui sont sur YouTube. Ok? Donc, nous prêts pour capable prendre question. Mais toutefois, si nous avons une question dans l'assemblée, hein, nous avons fait place avec question ça aussi. D'accord, merci. Alors, pendant qu'on a fait place avec les questions qui sont venues sur Zoom, yo, alors, moi, j'ai une question, tout là, une question pour le présentateur. Yo. Alors, on a parlé d'éducation. En plus, fois, nous parlons, il y a avec l'éducation familiale. Et nous connaissons que nous toujours voulons culpabiliser les parents de l'échec de Timoun. C'est-à-dire, si Timoun n'a pas réussi, si Timoun est désordre, vagabond ou responsable. Mais, qu'est-ce que ça vient dans la tête, moi? Adam et Eve étaient dans la plus bonne école qui jamais existé sur la planète Terre. Ils étaient les plus bons professeurs qui existaient dans le monde. Là. Est-ce que nous avons culpabilisé les professeurs de l'échec élève ça? Ça, c'est une question pour moi. Merci. N'est pas dans nous qui répondre. Bon, nap. Passez maître là, François Bia. Et après, c'est une bonne chose à dire après. Et une belle question qui est souvent montée dans l'esprit, non? Et moi, ce que j'ai été posé, c'est peut-être pas même j'ai été formulé, mais j'ai été posé la question ça à un vétéran dans l'œuvre, mais qui écrit livre, etc. Un penseur. Et monsieur dit moi, au fur et à mesure que vous posez question, vous avez toujours joué l'autre question qui vient. Pour capable retirer tête dans confusion, c'est ça monsieur Tim, ça me jeune. Je dis pour capable retirer tête dans confusion dans le domaine spirituel, toujours bail bon Dieu raison. Parti du principe que bon Dieu a raison. Et puis ou après que même l'on pas gain réponse là, ou capable satisfaire à ça qu'on gain en main là. Donc dire que le professeur a été échoué, non. Nous ne pas dire ça. On a parti du principe que c'est l'élève qui a échoué. D'ailleurs, l'ordre était formel. Il est simple. Il n'est seulement pas respecté. Donc, parfois, nous jugeons pareil au mal. Oui, il y a des parents qui ont mal élevé Timoun. Il y a des parents, peut-être pas, yo, qui n'ont pas de parents pour qu'ils aient élevé. Yo. Donc, ça, c'est une société qui est dysfonctionnelle. Et grand-grand-papa n'a pas de formé, papa n'a pas de formé, il n'a pas formé, ou pas qu'à ça n'a pas gagné. Comment attendre qu'on parle ça pour aller suivre Timoun, il n'a pas gagné. Mais il y a l'autre parent qui a Timoun tout ça que lui a besoin, tout ça le besoin qu'on a dans la vie, hein? Mais Timoun prend direction par lui. Même Dieu reconnaît ça, il est le libre arbitre. Et ça fait dire, nous avons un droit, mais pas. C'est-à-dire, nous avons un choix. Le libre arbitre, c'est choix, c'est capacité qu'on gagne pour faire choix. Donc, il y a des gens qui mal appris. Ce n'est pas que le mal élevé, le mal appris. Donc, il sortit enlevé. Donc, nous pas qu'à courir, accuser pareil. Bien que, dans bien des cas, parents responsables. Donc, chaque cas différent de l'autre. Et ça fait nous-mêmes, le nous pas connons bagay, pas parler sous lui. Le nous pas connaît, nous pas parler. Par contre, si vous avez des amours, ajoutez vos bagay. Bon, ça c'est ça qui ça me dit qu'à élaborer sur le son, hein, sur la question, hein, où ça s'est passé sur, on n'a pas avancé. Si là, on a l'autre question encore, on a parlé. Nous avons l'autre question dans l'assistance là, donc c'est ancien Daniel. Alors, question blanc et la venue comme ça. Dans l'école, on va trouver toute qualité élève. On va trouver élève qui crétin, élève qui fort, élève qui moins fort. Et dans le jardin d'Éden, côté première école là, tu commencé, hein? Eh bien, tu as Adam, tu as Ève et les animaux et toutes les autres choses. Maintenant, question blanc, est très simple. Celle de Jésus. Vous parlez? Vous parlez?
Vous parlez? Et, ou avant, si on t'a dit que, il y a un élève qui est chrétien, il y a un élève qui est fort, moins fort. Moi, je suis dans l'éducation. Il y a des gens vraiment effectivement dans la classe là. Il y a plus brillant que l'autre. Il y a moins brillant. Il y a qui? Qui différence qui est entre tentation Eve là et tentation Jésus? Et nous, la première tentation, ça a déjà commencé dans le jardin d'Éden. Tentation qui est plus fort, nous sommes capables de dire dans la vie, nous sommes capables de dire, tentation, nous avons fait manger, nous avons fait relation, nous avons fait femme, c'est des choses qui sont plus tentantes dans le monde, nous avons fait aujourd'hui. Par exemple, Eve, pas de péché, un être qui était créé parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer vient tenter. Eh bien, Jésus, tout, même si qu'elle te fait non nature pécheresse, même li à la fois Dieu et homme, m'a capable dire c'est même tentation qui était. C'est une tentation manger, des tentations adoration là dedans. C'est comme ça me comprendre oui. Eve pas de péché, li tenté. Mais Jésus à la voix, li sont li fait non nature pécheresse, li Dieu, li pas tombé. Mais que bagaille tout, m'a invité tout pour me pas trop avancer. Pour qui ça? C'est ça que c'est ça m'a toujours battu dans le son toutes ces maintenant à chaque question que me venir pour me poser chaque hypothèse que me les laguer mon petit ça se camper pour que ça pour me parler développer un bagage qui a mettre un paquet de problèmes dans tête moi parce que ça fait moi sous mon appartement profondeur le son ça l'a mettre un paquet de bagages dans tête au cap faut juger mon Dieu mais pour moi même comprendre que Eve était tentée dans question manger Jésus-Christ était tenté dans question manger mais au chaque côté agit différemment. Mais nous sommes capables de dire, gonti similitude là. Gonti similitude, gonti ressemblance là. C'est nous à faire manger, et Jésus nous a fait manger. Même si Jésus était venu gonti supplier dans l'adoration, mais il était parti manger à la donne. Mais nous voyons comment Ève qui n'a pas de péché, Ève tombée avec Adam. Mais Jésus, il est à la fois Dieu et élaboré. Et François Béa a pu s'élaborer à travers la question ça. Mais même, je prends une vue, je comprends. Tentation Ève là avec tentation Jésus. Oui, vous parlez que dans l'école, ou joindre Timon qui est intelligent et Timon qui n'est pas trop intelligent. Et c'est l'école que nous avons aujourd'hui. Hein? Capacité de Timon gagne d'après quotient d'intelligence. Et chaque monde est différent de l'autre. Dans l'école, bon Dieu, bah, tout le monde même chance. Parce que dans l'école, bon Dieu, ce n'est pas une question de moins intelligent, moins pas intelligent. Ce n'est pas une question de moins gagner possibilité passée. Dans l'école, bon Dieu, il expose à même promesse. Il expose. C'est une question de foi. Jusqu'où vous voulez aller avec lui? Jusqu'où vous faire confiance? Parce que le nous regardons la chute d'Adam et Ève et nous parlons de mépris d'autorité, mais il chita tout sur foi et obéissance. Ou bien le bah, nous tout même promesse. Pardon, et même récompense. Donc, c'est clair. Maintenant, pour parler de tentation et Ève, tentation de Jésus, et tentation, le même genre. Tentation. C'est-à-dire que tu dis un bagage là. Ou absolu là, adoration. Et pour Ève, il dit le manger. Et pour Jésus, il dit le manger. Mais la différence qu'il y a entre Dieu, c'est que Jésus cita sous la parole. Chaque leur et adversaire vient avec un texte, lui-même lui répond sur la parole. Dieu. Et ce que Ève lui-même a fait. D'accord, merci infiniment, frère Sobia et frère Denès, pour toute réponse que nous avons. Mais à présent, nous avons une question et sur Zoom. C'est Samuel qui a une question. Samuel, où est-ce allé?
Ce Miguel ou attendez nos 7 mais audio là pas connecté, c'est ça qui fait nous pas attendre. Malheureusement, audio Samuel n'a pas connecté, donc ça veut dire qu'on ne peut pas attendre des questions, hein, même là, nous sommes capables d'aller. Donc, nous avons continué. Donc, nous avons déjà fait 11 heures. Nous avons seulement. Nous avons demandé aux présentateurs si vous êtes capable de dire un mot de conclusion pour nous. Et c'est à la fin, nous n'avons pas de chance pour notre question encore. L'air déjà est arrivé. Donc, nous avons parlé d'abord. Frère Sobia a commencé. Eh bien, Frère Sobia, on va faire la fin pas et puis on va finir avec Frère Denet comme conclusion sur le son. Hein. Merci. D'accord. Nous remercions nous-mêmes qui étaient branchés et qui étaient à côté de nous. Et malgré l'imperfection, surtout dans le niveau technologique, mais nous n'avons pas appris. Dans l'école, nous n'avons pas appris. Et ouais, que nous faisons aujourd'hui, nous n'avons pas fait demain. Et c'est vœu bon Dieu à ce que nous améliorions ceci dans tout domaine. Alors, ma fini, même, j'aime commencer. Éducation. Éducation, chita sous deux roches. Il cite sur sagesse et il cite sur intelligence. Sagesse, c'est même une source dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la science ou la connaissance, il y a une barre intelligence. Donc, nous avons deux mots, ça, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. Et nous avons deux bagages, ça, dans l'école, la vie. Nous ne sommes pas victimes. Si nous avons deux bagages, si nous cherchons deux bagages, nous sommes plus attentifs, nous avons fini par respecter la volonté de bon Dieu plus, et nous avons plein de gagner pour restaurer tout bagage là. Nous avons fait part de lui-même, nous avons restauré le péché gagné pour éliminer, et dans le nouveau monde, dans le royaume de Dieu, nous tous, qui décide aujourd'hui, suivre-lui, retirer dans nous-mêmes le doute et la désobéissance, mais augmenter dans nous-mêmes la crainte ou la foi et l'obéissance, et bien, nous avons mangé tout fruit qu'on a gagné, tout fruit que bon Dieu mettait à disposition de nous. Que bon Dieu bénisse nous. Et va finir pour. Va finir pour une leçon qu'on est capable de tirer comme pratique. Qui pas trop dissocié avec Fassobia. Le den perdu, le décasson que bon Dieu te prévoit pour nous, te perdu, à travers Jésus-Christ, nous retrouvons. Le rete à nous-mêmes, de conjuguer tous nos efforts, par la prière, par l'étude de sa parole. Et bien, comme ça, nous pas fait même acte de désobéissance à Adam et Ève, là, malgré ta pécheresse, non. Et ta pécheur que nous y est. Mais nous avons été en nous battre pour nous rester dans la crainte de Dieu, pour ne pas défier l'autorité de Dieu, et pour nous capables de ses serviteurs, côté lui mettre sous terre pour capable instruire nous, et à travers sa parole, et en le priant chaque jour, et le den ça, ou bien éducation ça qui nous a perdu, hein? Et puisque bon Dieu, à travers Jésus-Christ, les réinstitue pour nous, en nous tendant, et nous avons besoin de formation spirituelle, de formation sociale, et de formation intellectuelle, et pour notre foi, et comme ça, par moyen de ces paroles, nous va obéir et se comme fridine pour nous pour la vie éternelle. Et nous ne pas chita pour nous parler de ces dames, ça te tombe malgré nous ces pécheurs. Au dernier jour, pour lorsque maintenant on parle pour ne pas dire, je ne pas te connaître, ou même qui t'a commis l'iniquité. En nous faire preuve de bons disciples, de bons serviteurs. En nous faire preuve de bons élèves, de bons instructeurs. Et à travers pédagogue que bon Dieu placé pour nous, à travers pédagogie que bon Dieu mettait pour pédagogue nous capables d'instruire nous, à travers sa parole, et bien c'est ça qui est capable d'être pour nous, comme finis pour la vie éternelle, même si nous avons mouru, nous avons avec espérance. C'est ça qui nous comme mot conclusion, comme mot d'application dans la leçon de ce jour-là. Merci. Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue à Bethany encore une fois de plus. À tout le monde qui a regardé nous online, YouTube, Zoom et qui a écouté nous en ligne. Encore une fois, nous avons renouvelé propos de bienvenue nous à nous tous qui l'a matin. Culte d'adoration pour commencer. Alors, on a fait transition en chantant le chant inscrit au numéro 103. Et après quoi, on a préparé nous pour que le culte d'adoration puisse commencer. Numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Numéro 103. Redites-moi l'histoire.
Seigneur, son règne sur terre et dans le ciel. Gloire, gloire, l'univers contemple sa majesté qui remplit le Saint-Lieu. Nous apprêtons, alors que nous allons rentrer dans... Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Affirmons notre foi maintenant trouvée dans Genèse, dans Exode 20, les versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Gloire à l'Esprit consolateur.
Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Tandis que nous sommes venus t'apporter un culte d'adoration, voudras-tu nous pardonner de tout péché et accepte ce culte que nous t'offrons au nom de Jésus, le vivant et le régnant au siècle des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, membres de Béthanie, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin, en ce jour spécial de sabbat, pour donner gloire, honneur, magnificence, se sent réjouis de vous avoir avec nous. Et puisqu'il est dit dans la Bible, c'est toujours une joie pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons ensemble pour donner gloire à notre Père céleste dans les cieux, à chaque membre d'église qui a suivi le programme ça sur les réseaux sociaux, particulièrement YouTube, Zoom, et chaque visiteur nous invite à participer à dans le programme ça ensemble avec nous matin dans l'église Béthanie, et que bon Dieu pas manquer pas déverser sur chacun de nous bénédiction spéciale. Bienvenue à chacun de vous dans le culte de ce matin. Présentement, nous allons faire suite. Préparez-vous pour le culte proprement dit. Bonne journée de sabbat. Te passé dans période côté corona t'a fait rage côté couru fermé l'école et ça te présenté un challenge
un problème pour la nation, parce que j'ai fermé l'école immédiatement, tant que je n'ai pas fait plan. Sans que... Je t'ai fermé l'école sans que je n'ai pas fait plan, parce que si tu es surpris, je t'ai obligé de fermer parce que tu as trop de monde qui est malade dans le pays. Et puisque je t'ai fermé l'école, je n'ai pas de temps de faire plan pour te réouvrir et qui l'a pour te réouvrir. So, ça passe pendant nous, dans la saison septembre, côté que l'école obligée de réouvrir, National Academy of Science, Medicine and Engineering, yo te faire une série de plans proposés à la communauté yo et chaque school district côté moun te ka étudier moyen propice pour yo ka ouvrir et qui meilleure façon yo ka faire et qui jan yo capable résoudre problème ça et yo te vinn réaliser que gen plusieurs bagay pou yo faire yo gen prononcer de décision côté que non seulement pour prendre des précautions pour pas dans ouvrir l'école là pour monde pas continuer malade bien que nous tente de quelques chiffres comme ça et yo prend décision pour tout monde capable protéger yo prend décision pour staff monde qui va faire l'école yo protéger maintenant il y a un problème qui a gagné c'est que on a parlé de K12 c'est kindergarten à grade school 12 yo dans étudiant fait yo réaliser tout monde qui pipiti yo si moun sa yo ki nan ki varie de kindergarten à grade 5 et grade 3 surtout jusqu'à grade 5 si moun sa yo yo poko préparé pour yo capable prendre l'école là je reprendre virtuellement parce que gen ki poko master un série de problèmes de behavior yo poko OK yo poko konn ki jan pour yo li gen pa konn li bien ensuite si moun yo poko entrer dans faire l'école côté yo gon discipline yo gon ba yo apprendre kon ki jan pou yo suivre l'école et puis gros problème ki gen dans ça c'est que gen nan ti moun sa yo pa gen moun la kay yo ki la ki ka superviser travail yo pa le faire donc ça veut dire que si n'a parlé de communauté pour communauté pa nou en pile parent ti moun sa obligé à travailler et ti moun sa yo même le ta choisi pou ba yo une série de cours virtuels pa gen moun pou superviser travay ti moun yo et ou konnen ti moun nan la jayo si pa gen moun ki pou superviser yo ti moun nan pa fè rien du tout ti moun nan pran ou libre et li vin un problème pou communauté sa donc moun ki ta pensé pou communauté pou l'école yo pou société ya pou pays ya yo fè un série de propositions côté yo ka ouvè l'école yo pou va dire que building moun sa yo li OK et pa building kap krasé pou va dire que yo ka respecter espace pou va dire que building nan bien aéré et yo capable gen moyen pour yo gen air conditionné et pour yo capable permettre que l'air circuler et sorti nan espace côté l'école la ouvert et nous même qui dans New York nous tande côté yo te proposé gen l'école si yo pa gen gros espace yo te même proposé pour faire classe dehors pour ti moun sa yo. Donc c'est pas un bagage qui facile, c'est un bagage qui mande en pile réflexion côté que l'école ouvert, l'école obligé ouvert, ti moun ki pipiti yo obligé à l'école pour yo master un série de programme. Maintenant gomba yo te parlé de li que yo dit l'école ouvert ti moun yo gen possibilité yo ka venir avec maladie et échanger maladie entre yo même et même à staff là. Gen recherche qui fait qui peut prouver en fait que ti moun yo vin avec madi yo séparé l'entre yo et yo exposé staff là à agent de bagay ça. Donc question c'est que l'école yo ka ouvert mais koue nous si nous tande débat dans société ya chaque état, chaque city, chaque ville yo ka ouvert suivant une série de données. Si par exemple dans New York, yo réalisé dans une communauté donnée, gen pile moun ki malade, gen pile moun ki hospitalisé, gen pile moun kap mouri, gen pile moun ki l'hôpital, donc son communauté kote yo pa ka ouvert l'école.
Parce que il y a trop de malades dans la communauté. Ya. Si yo en pile là dans l'hôpital, en pile dans l'hôpital qui mourit, et dans proportion, quantité de monde qui dans la communauté, ya, yo, ouais, non seulement yo l'hôpital, yo mourit, et yo jeune en pile qui malade, donc ce n'est pas une communauté qui prêt pour ouvrir l'école parce que donner yo pas d'avantage pour ça. C'est tout bagaille ça pour moun réfléchir. L'école a ouvert, l'école ouverte, mais même là l'école ouverte, yo parle de moun santé publique, moun distrio, moun qui dans communauté yo, même communauté civile là qui dans zone là, yo gen pour une surveillance pour établir un contact sérieux entre santé publique, professeur l'école et school district yo. Et avec la communauté, est-ce que dans la communauté, ça a l'école l'a ouvert? Combien de nouveaux cas de COVID vous pouvez joindre pour vous connaître si la communauté est capable de soutenir l'école qui est ouverte? Est-ce que vous pouvez obliger le mitan de fermer l'école dans le district? Ça? Donc, tout ça, c'est pour nous réfléchir, c'est pour nous penser. Et si il y a une information pour nous distribuer avec l'école, pour nous faire lire, parce que yo même mandé dans l'école yo si yo réalisé gros pourcentage de petit monde qui absent yo mandé pour l'école là faire santé publique connait pour yo ça chercher connait qui raison qui fait que grand pile petit monde qui pas vinn l'école et si yo réalisé petit monde qui pas vinn l'école parce que monde malade ta kayo ça sont d'autres facteurs tout qui ca faciliter qui ca obliger monde dans zone là penser et si nécessaire, fermer l'école pour éviter la propagation de maladie. Nous avons été là, jeudi, et nous avons dit que la COVID est un bagage sérieux, ce n'est pas un bagage chouette. Et si nous suivons une nouvelle semaine, ça, nous n'avons pas besoin de dire rien, nous comprenons que ce n'est pas un bagage chouette, ce n'est pas un plaisanterie. Il faut nous prendre tout le bagage au sérieux. Si vous demandez pour nous mettre un masque, nous dans l'espace de grand pile monde, nous mettons un masque. Si vous demandez pour nous social distancing, nous obligés à social distancing. Surtout pour nous-mêmes, qui pensons à réouverture, nous avons pile bail pour nous faire, pour que ce n'est pas nous-mêmes qui la cause, moun malade et moun prend maladie ça. En nous participer, en nous participer dans la surveillance, en nous aider la communauté, en nous share information yo, et en nous suivre principe yo, pour que nous soyons capables d'avoir une communauté qui est safe, une communauté qui est normale, une communauté qui sauvegarde et ainsi nous allons continuer à adorer bon Dieu en paix et en sûreté. Que bon Dieu bénisse nous et bon sabbat dans le Seigneur. Bien, bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs, et je souhaite tout le monde, en fait, bienvenue, et un bon sabbat dans le Seigneur. Nous venons pour adorer l'Éternel en ce jour. Et après, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et prédisposons-nous en fait pour le service du jour.
Sombra.
Lecture jodien, nous joignons dans la lettre ou l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 et les versets 10 à 13. Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Il dit comme ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que bon Dieu bénisse portion ça que nous soutenons pour édification personnelle nous. Mettez-nous à genoux. Bien la mettre dans une position de prière que tu nous as. Et humilité, nous présenter devant toi, nous sacré au Seigneur, pour bénir, réunir ça et accepter dans nous, culte ça que nous parlons. Nous avons amour, nous avons la bonté, la misère, la compassion, pour ne pas garder à nous mais au point de Jésus, ton Fils. Acceptez que ça en amène nous encore une fois. Et bah, nous ferme assurance que autant de nous, qu'autant d'écrit nous. Maintenant, nous venons à nous-mêmes, toute faiblesse nous. Et nous demandons l'amour pour fortifier nous. Bénis nous. Nous demandons pardon pour tout péché que nous commettons devant au Seigneur, car nous péchons de plusieurs manières. Péché par parole. Par action et nous pécher de toute forme.
Merci Seigneur. Et acceptez-nous devant face. Béni. Nous pas la bataille. Car force que nous avons gommé avec Yoa, nous pas voyons. Nous avons avantage sur nous. Parce que nous pas voyons. Mais nous-mêmes qui sommes puissants, nous-mêmes qui protègent, intervenu pour nous, pour nous. Seigneur, après ça, nous apprendre, après l'expérience, nous avons eu, ou pas jamais de bataille. Et si nous croyons, victoire. Bénicule ça que nous approfondons. Pardonne les péchés que nous commettons devant. Guéris-nous de nos maladies. Car nous malades spirituels, nous malades et même financièrement nous malades à cause de Christ qui a frappé. Ainsi, nous demandons l'amour, la bonté et Dieu nous pour nous. Moyennons chaque qui a opéré un miracle dans la vie. Guéris-nous de maladies que nous souffrions. Nous demandons du mal particulier pour poser sous l'approbation et peindre de ton esprit. Monde qui vient pour prêcher dans le pasteur de l'église. Va avec lui, inspirez-lui, va mettre la parole sous bouche, surtout que pitié de Kandéo, nous-mêmes des moutons qui papillent un peu partout, nous capables de parole, nous capables de venir même et consacrer, nous capables bien la vie. Côté où il y a, rien. Et pas que j'aurais ou dû. Non. Nous avons péché qui mettait distance sur nous-mêmes avec vous. Et ça fait nous demander au Seigneur, pas les péchés que nous commettons. Acceptez que tout ça que nous avons pour vous. Nous demandons pour longer même dans cette journée de sa côté qu'on est prouvé de grands miracles. Et nous y a. La caille nous, dans la rue, quelque chose à côté nous brancher à. Sous radio, sous Zoom ou sur YouTube, quel que soit que nous y a, ouais-nous dans le radar là, plongez main sous nous et dans mot pour nous. Tendez-nous Dieu les cieux, côté hier, et pitié. C'est des prières ça que nous adressons à nous-mêmes. C'est pas que nous bon, c'est pas que nous disons. Et à nous-mêmes. Au Saint-Esprit de Dieu, vini, gloire, honneur, magnifique. Amen. Source du Dieu vivant.
dans moment ça, c'est moment côté que nous remercier bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Et nous-mêmes, les artistes du septième jour, dans le format que nous, après que nous faisons intercéder devant bon Dieu, c'est là ça que nous montrer nos sincérité nous et fidélité nous à l'Éternel. Nous observons un bon Dieu qui est fidèle, nous observons un bon Dieu qui pourvoit nos besoins. Maintenant, nous tous faisons expérience déjà, quand nous finissons recevoir un service de un frère, nous, de un soeur, nous, de un monde quelconque, mais nous toujours tourner à mon nom pour nous remercier. C'est ça qui fait que dans le moment, ça, son moment que nous choisissons pour nous remercier, bon Dieu. Parce que bon Dieu a pouvoir à nos besoins. Dans le moment de Mixa, il y a un pile de monde qui a aimé Chita devant l'ordinateur ou bien devant le téléphone pour adorer, mais il a trouvé à l'hôpital. Bon Dieu, ben nous avons l'opportunité à côté que nous sommes capables d'adorer en esprit et en vérité. Et quand que nous adorons bon Dieu, non seulement nous adorons de cœur nous, mais nous adorons Dieu avec tout ça que nous possédons. C'est peut-être ça que nous lui disons à bon Dieu, merci. Merci pour la santé, merci pour le travail. Et en retour, nous apportons dîmes, nous apportons offrandes, nous apportons offrandes que nous à bon Dieu. Maintenant, nous, quelque part à côté nous, pour incliner tête nous, en prière. Éternel, notre Père qui est dans les cieux, c'est toujours un plaisir pour nous présenter devant vous. Pour nous capables de remercier vous pour tout ça que vous faites pour nous. Nous remercions pour la santé, nous remercions pour le travail, nous remercions pour la vie que vous avez. Tandis que nous venons accepter offrande que nous, accepter offrande mais nous, et transformer nous, et transformer offrande ça pour avancer le vous un peu partout à travers la terre. Tendez-nous, Dieu des cieux, pardonnez péché nous, au nom de Jésus qui vit et qui règne au ciel des siècles. Amen. Maintenant, nous arrivons dans le moment côté que nous pouvons passer dans le sermon. Mais ici, à Bethany, avant que entrer dans le sermon, nous, il y a une préparation qui est faite. Et préparation, ça, c'est louange. C'est louange pour préparer que nous, pour nous attendre la voix de l'Éternel. Je dis, c'est pasteur Joël Cantave, c'est pasteur de l'église Bethanie, sous-pasteur ou sous-berger. C'est lui qui vient pour parler au nom du Seigneur. Il a demandé nos côtés pour nous porter une attention soutenue à message que le pasteur a gagné pour nous de la part du Seigneur. Mais bien avant que nous tendions, pasteur, nous avons invité nous pour nous capables de nous, maestro, nous, Walner Jacques, nos anciens. Frère Bruno et Jonathan Saint-Jean pour le passer dans les moments de louange que nous pour le dédier à l'Éternel et à tout le monde qui attendait nous. Bonne audition. Nous commençons nos minutes de louange avec le numéro 4. Christ est ressuscité quand des chants joyeux. Christ est ressuscité quand des chants joyeux. De vie et presse de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est
sauveur, ô puissant rédempteur. Tu sais plus quoi, tu sortis mes cœurs, prince de Debout, sainte cohorte, soldat du roi de 347, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Chant après les langues.
trouve au numéro 543. 543. Amis, chantons ensemble une heure joyeuse à souhait. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs, au que charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. 543.
maintenant avec vous le pasteur Joël Cantave dans le message du jour. Bonne audition et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Well, nous bénissons le nom du Seigneur pour grâce, pour privilège que nous avons aujourd'hui. Et comme le chant vient de le dire, et comme le chant le dit, poursuivons avec persévérance. Hein? Poursuivons notre course avec persévérance. Et aussi, l'autre chant que nous faisons de là, en fait, les deux en haut les cœurs. Well, certainement, roulons bataille, à bien victoire. Mais, nous ne sommes pas capables de victoire sans que pas de bataille. Bien. Pagain, coupons la tête pour prier. Éternel notre Dieu, notre Père. Que ton esprit prédomine, Seigneur. Enlevez toute distraction afin que le pouvoir assoiffé, capable de prendre des messages. Parce que nous sommes dans une bataille. Nous prions pour Saint-Esprit pour contrôle. Nous profitons pour présenter devant toi, Seigneur, ça qui est malade, ça qui est découragé, ça qui est affligé, ça qui a un problème quelqu'un. Nous prions pour capable avec toi, pour faire sentir présence aujourd'hui. Que tu purifies ton serviteur avec un message qui est pour toi, capable de délivrer sans embâche. Nous prions ainsi au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bon. On a fait concentrer nous parce que vraiment il y a une distraction. But, you know, c'est vous-même avec moi qui pour gagner une bataille là. C'est pas l'ennemi. L'ennemi a fait gens le connaissent, mais c'est nous qui pour gagner une bataille. Nous sommes en guerre. Et je souhaite que pas gagner une nous là qui je dis à pas reconnaître que nous sommes en guerre. Parce qu'il y a une guerre depuis longtemps, c'est pas pour nous qui y a une guerre. Ou une guerre depuis la création même. Vous avez l'ennemi, ok, en fait, qui était déclaré en guerre dans le ciel. Le Christ est victorieux et sera toujours victorieux. Et Jésus garantit que tu auras cette victoire également. Bien, pile distraction. Seigneur, veux-tu donc prendre contrôle? Je t'en prie, mon Jésus. Je vais le répéter, because it is true. We are in a war. Il y a une guerre. Et malheur à quiconque pas reconnaître que nous sommes dans cette guerre. Mais cependant, tu auras la victoire. Nous aurons la victoire. J'aurai la victoire parce que c'est Jésus lui-même qui donnera cette victoire.
Yes. Comme nous disons déjà, il y a une guerre qui commençait même dans le ciel. Et toujours gagner guerre après le péché. Par exemple, vous avez bien deux guerres, vous avez deux grandes guerres qui passaient. Vous avez la guerre contre la première et deuxième guerre mondiale. Dans toute guerre qui passait, vous gagnez la France. Dans le temps, vous gagnez 1115 guerres. Encore si gagné. Alors, c'est 1115 guerres que vous gagnez. Vous gagnez le Royaume-Uni. Communément, vous gagnez plusieurs pays qui composent le Royaume-Uni. De gagner 1105 guerres que vous gagnez. Regardez bien, France a gagné 1115. Angleterre a gagné 1105. États-Unis, de part des mêmes seuls, a gagné 833 guerres depuis l'indépendance même. Voilà. Tu me dis États-Unis, depuis l'indépendance jusqu'à ce présent moment, ou du moins jusqu'à 2017. Ce sont toujours des guerres, toujours des guerres. Mais Jésus a promis qu'un jour, ces guerres finiront, pas bien encore. Nous gagnons tout récemment la guerre de 90-91. Oui, avec l'Irak. L'an 2003, c'est bien là. Il y a une bataille qui a gagné, il y a une bataille qui a perdu. Mais Jésus promet, yes, finalement, victoire finale là, c'est au même qui a gagné. But in the meantime, armez-nous de toutes les armes nécessaires pour que nous soyons capables de gagner la bataille. Nous avons lu antérieurement dans Éphésiens 6. À partir du verset 10-18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. So that means, as being Christian, we are in a constant war. Nous sommes dans une guerre constante. Et puisque vous êtes le chrétien, puisque en fait, vous portez le don, puisque vous marchez avec Jésus-Christ, hop toujours dans la guerre. Hop toujours dans la guerre. Ça. C'est si vous ne portez pas le don. Mais guess what? It's too late. So, des raisons pour vous, même avec moi, nous reconnaître que, yes, nous sommes en guerre. Et guerre, ça, tout autant qu'au vivant. Pas en guerre. Tout autant que Jésus pour qu'on retourne, pas en guerre.
peut-être ça, on avait dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Parce que parfois, nous sommes portés au découragement. Parfois, nous demandons, est-ce que nous avons senti l'entrave, ça? Mais les entraves, les gens venaient, mais écoute-moi, c'est la guerre que vous-même avec moi. Espérant que nous le réalisions ainsi. Et que nous, comme chrétiens, nous pas boumés entre nous, mais qu'au contraire, nous unissions nos forces pour que nous capables de lutter contre l'ennemi. On est vraiment un bagaille mal, un bagaille contre nous-mêmes. Ce n'est pas précisément. Pas précisément avec vous-même, non. C'est animé par l'esprit malin. En fait, l'esprit malin s'en sert de lui, l'esprit malin s'en sert de lui-même, de moi-même, pour que nous soyons capables en litige avec l'autre. Et nous devons montrer nous beaucoup plus intelligents les nouveaux ça qu'ils ont pour nous faire. Eh bien, nous chercher la présence de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Que Dieu parle, nous capables de rester fixés sur Jésus-Christ pour que nous capables de gagner la bataille. Il emploie toutes les stratégies possibles pour que nous capables de détruire nous. Nous avions mentionné la fois dernière certaines stratégies que lui usait. Par exemple, les user, en fait, déception. D'user également, en fait, tromperie, d'user et attaquer notre foi. Il faut comprendre que parfois, ouais, son père n'est pas nécessaire, non, bon, j'ai pas demandé tout le monde. Autant j'ai l'en Genèse 3, verset 1er, côté que dit, tu as-t-il dit cela? Yes, mon Dieu dit ça. Et là qu'on va poser cette question, ça, l'entendez question, ça a posé. Où était en pensée, vraiment? Est-ce que Dieu dit ça vraiment? Rappelons la fois dernière, ça que nous t'ai dit. Nous t'ai dit la Genèse, en Genèse 2. Après, lire encore un mot. Dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, l'Éternel dit. Ni même les mille fois où on l'a dit. Dans la Genèse 3, verset 3, il dit, dans Genèse 3, à partir du verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les animaux du jardin? Vous voyez, pourquoi mentir? C'est pas ça, bon Dieu te dit, mais lui-même, il te dit. Donc tout ça, encore, l'idée de la situation pour poser une question. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qui résonne jusqu'à ce présent moment. Dans les oreilles de l'humanité, spécialement de certains chrétiens. L'user également, vous avez mentionné isolation. Il peut faire comprendre que le monde est un bon monde qui n'est pas bon. Sont bonnes hypocrites, pas bonnes affaires avec eux. Et on peut réaliser aussi que c'est pas quoi faire spirituellement, tandis que là, Hébreux 10, verset 25, il est dit de ne pas abandonner notre racine. Et tout autant qu'on va prévenir, tout autant qu'on va chercher bagaille qui passe ça, eh bien c'est terrain ennemi bien sûr. Bien, nous sommes en guerre. D'user l'autre stratégie, par exemple, d'user la honte. Et il faut comprendre que son guerre, comme Éphésiens 6, verset 12, dit, en fait, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Son guerre spirituelle, son guerre idéologique, toutefois son guerre qui réelle, c'est pas jouet que nous. C'est des fois qu'on comprend que bah, ça, c'est l'entendue, son guerre réelle que nous. Son guerre réelle. Tout le monde a dit la honte. C'est ça. En fait, il y a une différence entre honte et aussi regret. On a l'ouest qui s'est dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. Voici ce qui est dit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En d'autres termes, il y a sauvé les regrets et sauvé la honte. Regret, hein? En fait, c'est un bagage qu'on fait, regrette-le, repenti de cela. Donc, c'est ça que vous êtes capable de prêler, en fait, la tristesse de Dieu. Hein? C'est la tristesse à qu'on y apporte à la repentance, au salut. Tandis que la tristesse du monde lui-même, en fait, il faut gagner honte dans le bagage, et puis qu'on y a, pendant qu'on y a honte là, et bien, on connaît qu'on va retirer qu'on va derrière, on fait back, on fait back, on fait back. Certains fois, avec le coton sorti, ou pas supposé être là. En tant que chrétien, c'est mon qui compte Jésus-Christ, ou pas supposé faire ça, ou pas supposé dire ceci ou cela. Et puis, qu'on y a, ou même qui a réfléchi à cela, ou est-ce qu'on dit, et qu'on y a, c'est pas quoi faire. Au lieu qu'on levait, bon, on dit, Seigneur, sauve-moi, à l'instar de Pierre. Hein? Seigneur, sauve-moi. C'est ça seulement Jésus apprend de vous. Seigneur, sauve-moi. Donc, guerre là, en fait, c'est une guerre aussi psychologique parce que l'user toute stratégie pour être capable de jouer. Là, vous jouez dans la tête. Il faut honte. Il faut qu'on ait que, en fait, classe ou pas là. Il faut qu'on ait que Jésus n'a pas besoin pour tomber trop bas. Pendant Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit aussi, si tes péchés, en fait, sont comme ramoisis, hein, bien, il a fait vin blanc. En fait, c'est rouge dans vos pauvres. Il a fait vin blanc comme la neige. C'est là la promesse de Jésus. Mais cependant, l'ennemi parle comme ça. L'ennemi veut ouais, de préférence que ou indigne. Pas de place pour et soit regardé. Well, en tant que chrétien, on ne pas supposer tomber en bail, mais pas oublier que Jésus en fait, est versé sang ou même. Mais ça dure encore, petits enfants, ne péchez point. Et si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Mais lui-même, l'ennemi, pas de voir comme ça. Il dit que ou l'aide, ou ça, yes ou ça, ou ça. Il s'était présenté à Zacharie pour, en fait, pour accuser. Pour accuser le serviteur de Dieu. En fait, Jésus dit, oui, c'est vrai, il est sale. Mais cependant, j'ai versé mon sang pour lui-même. Nous les rassurons qu'aujourd'hui à mon frère, nous les rassurons aujourd'hui à ma soeur, nous les rassurons aujourd'hui à visiteur que Jésus a versé son sang pour vous-même, avec vous-même. Jésus lavait avec son lit. Il n'a pas bien le sang. Il n'a pas vu comme ça. Il n'a pas vu comme ça. Il veut être sale. Il veut être placé par là, parmi les chrétiens. Parmi les gens qui appellent Jésus, parmi les gens qui rêvent Jésus. Donc Jésus dit, oh, pas besoin de péché côté Koya. Et nous avons une période, on dit, mais peut-être que pour réfléchir certainement sur conditions. Et comment ça s'est passé? Je serai surpris de ce que je vais dire. Vous connaissez que COVID-19, ça qui vient là. Je cherche ces parties positives là. Oh, pasteur, ici seulement il y a plus que 209, 207 000 personnes qui mourent.
Et chiffre là, monte toujours. Et pour me dire, il y a un bail positif. Yes, il y a un bail positif là-dedans. Moi-même, je ne sais pas, c'est que ça, son occasion, son opportunité pour m'approcher plus loin. Son opportunité pour me faire la paix avec qui que ce soit. Son opportunité pour me capable de me préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Parce que là, n'importe qui monde, wherever you are, il ne pas respecter personne. Il ne pas respecter titre, il ne pas respecter grandeur, il ne pas respecter couleur, il ne pas respecter personne. Donc même si ça me tire là-dedans. Alors, c'est une bagaille que me tire là-dedans. J'espère que ou même tout. Si mon bagaille dans ça, ou mettez-vous en harmonie avec Jésus, ou mettez en harmonie avec frères et sœurs, ou suspendre critiquer, ou suspendre décourager le monde, ou suspendre faire ça qui n'est pas bien, ou suspendre, voyez-vous, en fait, marcher avec indolence, ou suspendre. Et on vit bon, ça le fait le fin. Non! C'est l'heure qu'on y a pour nous, même avec nous, réaliser vraiment que, yes, le temps est court. As I said it earlier, and I'm going to repeat it again to you, we are in a war. C'est pas une guerre entre nous, mais c'est une guerre que Satan livre contre nous, les enfants de Dieu. Donc, nous devons reconnaître cela pour nous préparer. Moi, le bagage en tant que le métier, il mettait son tarif, les occupations, il mettait distraction. Tout le bagage, c'est pour nous capables de dévier, nous pour capables de pas chercher vraiment la présence. Et distraction vient sous toute forme. Distraction vient sous toute forme. Ouais, parfois, le bagage qui a été fait, et en fait, pour être capable de dévier de point central là, bon distraction qui vient, bon problème. Ah non, distraction, comme moi, je dis, vient sous toute forme, il vient sous forme de maladie, il vient sous forme, même l'argent, même on somme d'argent qu'on recevoit. Il vient, distraction vient même pas en promotion. Distraction vient sous toute forme. Parce que immédiatement le vini, en fait, on concentre plus sur lui que sur. Pas oublier que l'astucieux, on écrit ça, 1 Pierre 5. And this is one of the texts that we must remember always. 1 Pierre 5, verset 8 de préférence. 1 Pierre 5, verset 8. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ok? Cherchant qui il dévorera. Donc, pas comprendre que l'abvini comme un lion rugissant. Mais ces jours-ci, l'abvini sous toute forme. L'abvini sous toute forme, en fait, l'a déguisé pour ne pas reconnaître lui. Le bain, on a distraction, ou bien on a stratégie et que l'employé, c'est la comparaison. Comparer. Moi, je sais pas ce qui passe. Pas comparer avec personne. Pas comparer vie spirituelle avec personne. Seulement à voir qui ça Jésus m'a dit. Ok? Of course, praise the Lord, l'autre là qui a progressé spirituellement. Praise the Lord, l'autre là qui a progressé matériellement. Praise the Lord, l'autre là qui a progressé moralement et autres. Just God, concentre sur vous-même. Non, as I always say it, mon qui est bien important pour Jésus, c'est qui ça? C'est pas nous? Chaque monde qui est pour dire, monde qui est important pour Jésus, c'est moi-même. Les que qu'on y a ou la comparaison, on va comparer. Comme je dis, on va comparer avec l'autre monde. Parfois, on va comparer le passé aussi.
que petit Jean côté qu'on vive et petit Jean côté qu'on y a. Tout ça est comparaison. Et qui pas bon. Parce que qu'on y a des petites comparaisons, en fait, comparaison avec un produit infériorité, un complexe d'infériorité, ou bien un produit un complexe de supériorité. Vous avez bien ça, M'dou? Lève que des comparaisons, nous serons dans un complexe d'infériorité, ou bien un complexe de supériorité. Un complexe d'infériorité, c'est-à-dire, bon, en fait, bon, il y a une produit insécurité. Vous savez bien, il y a une produit insécurité. Il y a une produit aussi envie. Parce que vous avez l'autre la gagne, il y a une gagne, tout. Tout ça, c'est toutes les infériorités. Ça fait ça parce qu'on va comparer. On va comparer. Ça fait gagne insécurité, ça fait gagne envie. On y a pour complexe de supériorité à lui-même, la produit orgueil, la caillou, la produit arrogance. Et moi, en fait, mon pas camarade, bon, c'est une déchite sur le même banc de l'école à mort. C'est bien malheureux, autant des chrétiens qui répètent les baïsaux. Autant des chrétiens qui répètent les baïsaux. Pas camarade, faut des m'connaître. Pas connaître. Eh bien, c'est parce que m'a une promotion de bruit qui fait qu'ils ont pensé que ma camarade. Je pourtant oublier qu'au pied de la croix, le chemin est nivelé. L'oublier qu'une fois qu'on entre dans le trou, que nous allons aller au métro dans le mausolée, ou bien dans le trou. Une fois qu'on entre dans le trou, guess what? Guess what? Et Ecclésiaste dit, mon chien vivant, bon mieux que bon plus que un monde qui mourit. Donc, orgueil là, c'est une stratégie que le malin usait hein, pour qu'il est capable de dévier. Donc, nous avons ce complexe de supériorité. Une arrogant. Pourquoi tu n'es pas supposé arrogant? Mais c'est parce que on compare, c'est parce que en fait on gagne ce complexe de supériorité, pardon, complexe de supériorité qui fait que voyez-vous on vient arrogant. Pensez à ça, mon frère, ma soeur, pensez à cela. Est-ce que c'est un monde qui est arrogant? Est-ce qu'il y a un monde qui dit que est arrogant? Est-ce que j'ai envie de vivre là ou sentir que on vit avec arrogance? Souviens. Son opportunité, je dis à vous gagner pour que vous soyez capable de demander le Seigneur, pour vous capable de parler et pour cet esprit capable avec vous, afin que Aougan soit capable de sortir parce que vous n'avez pas dit que Aougan ça vient du malin. Hein? Vous avez l'Esaïe qui s'est dit. Et en fait, bon, Satan a besoin, alors Lucifer a besoin propre à Jésus-Christ. Hein? Il dit que il a besoin de monter beaucoup plus haut. Ouais. Arrogance. So, depuis qu'il y a une arrogance, mon cher esprit de Dieu, voilà. Cependant, nous sommes capables de demander le Seigneur, nous sommes capables d'aider nous pour que nous ne gagnions pas arrogance à la taille nous. Parce que arrogance, c'est du malin. C'est du malin. Dans Jacques 3, verset 16, il dit que côté qui gagne un bruit ça, côté qui gagne un arrogant ça, côté qui gagne un mauvais bagay ça, hein, eh bien bon, l'Esprit de Dieu est pas là. Et alors, on va paraphraser le mot, mais ça veut exactement. Par là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. La Paul aussi dit dans Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 2 aussi, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Voilà ce qu'il a dit. Éphésiens 2, verset 10. Il dit où?
car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De bonnes œuvres, mais pas arrogance. De bonnes œuvres, mais pas complexe de supériorité. De bonnes œuvres. C'est à toi que Jésus nous a appelés. Et c'est pour ça que bon Dieu t'a créé, nous. Bon Dieu t'a créé. On l'autre bagaille qui mettait encore, c'est la tentation. C'est la tentation. Non. Est-ce qu'il y a un problème, la tentation? Est-ce que la tentation, c'est péché? Non? La tentation, pas péché, non? C'est succédé. C'est succédé à la tentation pour venir péché, parce que Jésus lui-même a été tenté. Il ne faut pas oublier ça. Jésus était tenté. Et Gonchon Espagnol qui dit Tentado no sedas. Ou on n'a pas tenté, mais pas guébable et pas lâcher prise. Pas lâcher prise. Donc, on va vivre là, spécialement dans ce monde, on va vivre toutes sortes de tentations. L'argent, c'est une, sexualité, sont l'autre. Et tenter, non, et pour faire ton bagage qui passe, yes, ou capable de tenter pour faire un bagage qui passe. Mais ça n'a pas dit que tu posais vivre, ça n'a pas dit que tu posais Kevin, ça n'a pas dit que tu supposais prendre en fait pour le valer. Mais c'est toutefois que Jésus est Jésus. C'est la raison pour laquelle je te dis dès le début que tu es en guerre, nous sommes en guerre. Et guère la vie ici, toute forme. Tentation, c'est une bataille, la guerre. Et comme on était déjà, une bataille, on a perdu. Mais lutter pour que la guerre finale, là, c'est au même guerre. À Jésus dit dans l'Apocalypse, il dit bientôt, il mettra fin à toutes ces choses. Il mettra fin. Alors, attendez bien ce qu'il a dit. En conclusion, dernier message de la Bible. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé un ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il y a toutes sortes de tentations. Et il y a des tentations même pour autant de gloire frère, c'est là où pour aller. Qui dit l'eau qui fait? Moi, j'ai oublié de passer de l'eau qui fait, c'est Jésus. Dis-moi encore, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand juste entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore-tu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit souillé encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pour qui ça dit ça? Parce que tu es en guerre. Tu es en guerre. Mettez-vous constamment en bas vers Jésus-Christ. Pour capable de gagner cette bataille finale. La bataille finale, ça, tu as dit, yes, tu as la guerre, ou bien c'est ou bien la guerre. Et tu as gagné parce que tu as été fidèle. Et Jésus dit comme ça, en fait, tiens fort, tiens ferme, pour que le capable dit, rentre dans la joie, rentre dans le bonheur éternel. La bataille aussi, la guerre finit pour pouvoir vivre pour nous éternellement avec Jésus. Et puis ça, je encore. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, du livre de ces deux prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens mettre fin à toute tribulation. Je viens bientôt. Je viens mettre fin à maladie. Je viens bientôt. Je viens mettre fin à controverse. Je viens bientôt. Je viens mettre fin à toute confusion. Je viens bientôt. Je viens mettre fin à tout problème. Ce qu'on peut faire face le dia. Y inclut COVID-19. Je viens bientôt pour te donner en fait cette couronne incorruptible que m'a préparé. Frère, ma soeur, à qui va pendant la guerre, comme moi, je la vie sous forme, la vie sous forme de tentation, la vie sous forme d'attaque et foi, la vie sous forme de même mon bien qu'on gagne. Qui doit s'attendre, qui doit servir avec ça. La vie sous forme de déception. La vie sous toute forme. Et garde les regards fixés sur Jésus. Et tu auras la victoire. Peut-être qu'on lutte, tu vas te mener gounier. La vie sous forme de doute, oui. Et peut-être qu'on doute ça en même temps. Est-ce que ça avait bon Dieu a parlé? Non, I'm sorry. Est-ce que ça avait un pasteur a parlé? Non, il n'y a pas moi qui parle d'abord. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle d'abord. Qu'il faut connaître qu'il y a sous longueur et qu'il y a sa vie sous toute forme. Il y a plusieurs batailles là-dedans. OK? Mais il y a pour gagner la victoire, moi, il y a pour gagner la victoire. Je vais te dire sur Jésus. Je vais prier pour vous. Prier pour moi, je vais le prier que bon Dieu capable d'aider la lutte idéologique, ça. La lutte ça, que Satan mène contre moi-même, le fait que nous portons le nom de chrétien. Là, que nous ne portons pas le nom et que nous ne pas chrétien nominal, c'est-à-dire chrétien de nom, mais que nous réellement, on est que nous marchons avec Jésus. Et que nous sommes capables de dire, Seigneur, je te souviens partout. Faites le sang et le sang et tout ça. Que je te souviens partout. Seigneur, je te souviens partout. On nous communique. Mon Père des cieux, nous voici devant toi en cet instant, réalisant vraiment que nous sommes en guerre. En guerre. Que nous la donne, mais nous connaissons que la guerre a fini, c'est l'heure Jésus-Christ retourne. Et aidez-nous, tandis que nous sommes encore vivants, pour que nous sommes capables de dépendre de nous-mêmes, pour que nous sommes capables de dire vraiment à l'instar de Josaphat. Par contre, tout ça pour nous faire, lutte la intense, mais que nous ayons des yeux non seulement fixés sur nous. Seigneur, des frères et sœurs, des visiteurs qui ont fait face à cette situation. Bien qu'il y ait toutes sortes de préoccupations, tentations, des tromperies, bien qu'il y ait menti à toi et à travers, gagné en fait tout en Dieu, bien qu'il y ait jaloux. C'est ce que, il y a plus qu'à faire toute baguette à eux. Mais je dis à déposer dans pied. Au bon contrôle, Seigneur. Vous venez pour capable d'enterrer. Vous connaissez que yes, tandis que nous sommes en société, vous gagnez péché. Et comme Jésus l'a dit, le péché promet, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. En d'autres termes, aide-nous à ne pas rester dans le péché pour que nous soyons capables de gagner la victoire. Comme ça, nous a dit, si tu es déclaré ces péchés, iniquité dans le lit, nous ne pouvons pas t'appeler, nous ne pouvons pas t'appeler. Aidez-nous, Seigneur, ce Père, dans cette lutte, dans cette guerre, que nous sommes capables de faire confiance et que nous sommes capables de prier pour cet esprit avec nous, pour que nous ne partagions pas ce qui vient qui est arrivé au monde. Avec moi, on est une lutte là, terrible, mais nous ne sommes pas capables de bien vivre. Et avec ta présence, yes, nous serons victimes. Et chacun de nous, il y a qui est encore indécis, il y a qui est encore à peu penser, il y a qui est encore sur le chemin de la repentance. Nous prions au Seigneur. Pour cet esprit capable d'agir, nous avons besoin. Donc, nous prions, messieurs, bénis et pardonne. Aide-nous à rester les yeux fixés, le regard fixé sur Jésus.
qui est allé nous préparer, parce qu'à Dieu dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Béni soit ton nom, au nom de Jésus.
Bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous remercions du fait que nous avons adoré avec l'église Béthanie. Et nous arrivons dans un moment côté que nous pourrions séparer. Nous demandons pour nous garder en nous-mêmes l'esprit du sabbat, penser au bienfait de l'éternel, bienfait que bon Dieu accomplit dans la vie par nous. Nous ne pouvons pas aller sans que nous ne quittions nous avec quelques annonces nous gagnons. À intention les membres et tout le monde qui a suivi l'église Béthanie. Nous avons rappelé que dans la dernière semaine du mois de novembre, nous avons gagné une semaine de prière et la première semaine du mois de décembre, nous avons commencé avec un effort d'évangélisation. Nous avons demandé à tout le monde pour capable faire plan, pour capable inscrire dans le chat l'église Béthanie et comme ça, nous capable participer et suivre. Et semaine de prière et effort que nous avons gagné. Et nous avons demandé à tout le monde de Béthanie qui a gagné un téléphone ou qui a gagné un computer là, pour que vous ne puissiez pas manœuvrer, pour que vous puissiez aller sur YouTube, pour que vous puissiez prendre ce service. Et bien, vous pouvez contacter l'ancien William Charles, ancien Colin, et bien, vous pouvez nous dire ce que vous pouvez faire pour nous participer. Nous avons rappelé à tous les anciens de l'église Béthanie que après-midi, à partir de 4h30, nous avons gagné un ancienat. Et avant que nous gagnions un ancienat, nous avons gagné une révision de la leçon. Et la révision de la leçon, ça, c'est ancien. Et à partir de 3h, et révision de la leçon, un coup d'œil sur la leçon, nous avons gagné. C'est l'ancien Willer Cézile qui a fait pour nous. Et après, et coup d'œil sur la leçon, et ce sera l'ancienat. Ensuite, mercredi soir, sur la ligne, nous avons gagné une réunion de prière. Et chaque jour, peut-être samedi excepté,
à partir de midi, nous gagnons la prière du midi avec le pasteur Joël Cantave. Maintenant, nous sommes capables chaque jour de monter sur l'île Bethanie, hein, et à partir de 11h30, midi moins, nous avons gagné la prière du midi avec le pasteur Joël Cantave. Nous souhaitons à nous tous un bon sabbat, rester avec la paix de Dieu, et nous pouvons trouver nous encore sur YouTube sabbat prochain. Nous demandons à nous tous pour nous capables la leur et les frères nous, les soeurs nous pour nous capables brancher. Merci et bon sabbat dans le Seigneur.